Des mois après leur disparition, les aventuriers se réunissent, organisent une contre-offensive, se rendent à Mirage, se font quelques alliés et traversent la mer sur un navire, jusqu'à ce qu'une embuscade se tienne à leur encontre et qu'une créature marine venue d'un autre temps apparaisse. Messieurs, Shin tombe dans le vide. Grunlek hurle son nom. Théo tient la barre autant qu'il le peut. Bob tient Théo. Qu'est-ce que vous faites? Faites-le avant la fin du ralenti de Shin. Est-ce que les voiles sont déployées? Les voiles, bah oui, vu qu'on était en route. Oui. Je les avais coupés, je peux imaginer un violent Grunlek qui est... un violent coup de barre pour qu'il tombe dans les voiles. Ah, ça peut être intéressant. Mais c'est le problème, attends, ça va pas le faire tomber dans les, fait, ça va pas le faire tomber dans les mains. Mais non, ça va pas le faire tomber dans les voiles, mais ça peut le faire couler au long des voiles. Il peut soit s'y rattraper ou ralentir. C'est ce qu'il voulait dire. Ouais, voilà. J'ai eu une bonne idée. Dire. C'est le moment quand même. Ah, mais j'avoue, mais c'est ce moment-là où je demande un test à Théo qui le loupe. Mais donc, du coup, ça serait pas Théo Vanek avec son fist. Pardon. On peut pas faire tourner un gros navire comme ça juste d'un coup de barre en instant. La Rule of Cool. C'est un jeu d'arcade. Cool. Dans les jeux vidéo, tu tournes, les voiles, elles tournent. Ça fait pas chier. C'est quand c'est pas la simulation, c'est cool. De l'arcade. Si c'est de l'arcade, voilà, ça marche. C'est de l'arcade. Voilà, voilà. Tout est possible. Voilà. C'est ça. Absolument. Crazy Taxi, voilà. Dire, tu trouveras cette fonctionnalité juste à côté du frein à main. S'il te plaît, un test de mental. Mais ça ne va pas rater. Un test de physique. C'était l'ancien Théo qui a raté. Le nouveau, il réussit pas beaucoup. Il réussit. Alors, il faut savoir en fait que ce jet, ce sera plus un jet pour savoir si ça va ralentir sa chute suffisamment pour qu'ensuite Grunlek ait une chance de le rattraper. C'est ça en oui, fait. Oui, parce que là pour l'instant, là, parti comme il était, il a brisé sur Grunlek. Ouais, mais il a peut-être le temps maintenant, vu que l'autre il a ralenti. Par contre, s'il tombait sur Grunlek ou sur le plancher, ça changeait rien au fait qu'il a explosé. C'était un jet de le MJ voulait le faire tomber sur moi d'un seul coup. Maintenant, il fait tomber beaucoup trop loin. C'était un gène mental, on est d'accord. Il y a un problème spatio-temporel sur ce bateau, je suis assez d'accord. Donc, il y a un trou de verre au milieu. C'est magique. C'est magique. Alors, en admettant. Attends, le problème. Alors, Maillard, en admettant que j'ai 60 en mental et que je puisse utiliser mon bonus de bouclier, ça passe. Le coup de bouclier sur le gouvernail, franchement, c'est classe. Je conduis avec mon bouclier. Bah, pour donner de l'impact, de l'élan, pour que ça tourne plus vite, le bouclier, non, moi je trouve que c'est une bonne idée. Je vous rappelle que vous avez tous les dés d'aventure qui sont en votre faveur. Donc, petit rappel. Ah, du coup, c'est trop tard. Il y a déjà eu le jeu, ça serait dur. Ça serait pas du jeu de retirer. Je suis désolé, Shin. Je suis entièrement d'accord, il faudrait laisser Shin mourir. Voilà. Donc là, c'est la séquence GTA 5, le Westside. Et en même temps, t'aurais fait un échec critique, t'aurais fait en sorte que le baume ou la barre de des voiles se mette dans la colonne de Shin en pleine chute. Tu sais, en mode. Brah. C'est en mode fatalité. Oui, c'est ça, le rayon X Mortal Kombat, Théo, comme ça, tu vois, à travers. Tu fais tourner la barre, néanmoins, tes réflexes, la perception que tu peux avoir de la séquence qui est plutôt confuse ne te permet pas de pouvoir jauger les distances et jauger exactement la manœuvre. De ton côté, Bob, toi-même, tu es assez accaparé puisque tout ton corps est mobilisé afin de pouvoir maintenir ton équilibre. Du coup, tu n'as pas assez de volonté pour voir ce qu'il y a autour parce que ton corps est complètement mobilisé. Et de votre côté, Grunlek... Et Shin, je te laisse continuer ton ralenti pendant que toi, Grunlek, tu vas me dire ce que tu vas essayer éventuellement, peut-être, potentiellement de tenter. Parce que je suis bien. Est-ce que Shin peut faire et j'essaye de le rattraper. Avec ton super, ton point grappin, ça peut essayer de le rattraper. En plus, tu as des petites jambes. Bah, son point, oui, son grappin. Le grappling hook. Ouais. Oh, le grappin! Et t'imagines, le grappin fait un échec critique et là c'est Rayon X Mortal Kombat mais en l'air! Genre. Il me transperce et. Il t'arrache le cœur! Tu sais, t'as le coup de poing! Le coup de poing à l'arrière de la nuque, tu sais, quand t'as la colonne qui se met comme ça. Le problème c'est que ça. Je ressens, messieurs, il faut sauver la vie de Shin. On dirait que tout le monde me barrage en fait de loin! Les mecs sur le bateau, ils voient tout le monde en train de me savater, me mettre des coups de grappin, des coups de main. Bra bra!
À la chopper, t'es. Get over here! Attends, grenade. Quelqu'un qui tombe, donc il a la vitesse de la chute. Si moi je l'attrapais avec le grappin et que je le tirais, donc en plus il aurait la vitesse de la chute, ça le tirerait comme ça. À quel moment il se. Crée, bah, tu serais contre ton corps et tu servirais arcade, coussin. Arcade, d'accord. Très bien. Ton corps servirait de matelas. Alors je vais faire différemment pour la peine. Je vais faire différemment. Si tu me poussais dans les voiles. Dans le sol pour me donner de l'élan et faire un saut et l'attraper. Ah, il y a ça si aussi. Si tu fais un échec critique, ton poing traverse le sol et fait couler le navire. Non, c'est un bateau super solide, on a dit arcade. Donc je suis désolé. Ça serait génial. Ah, le Wasted de Mais les mecs sur le bateau en face, ils vont croire que c'est les Gaulois. C'est-à-dire les mecs en face. Oui, les pirates qui coulent leur propre bateau. Les gogoles. C'est ça. Allez, vas-y, rattrape-le. J'ai envie de connaître la suite de l'action. Oui, voilà. Oh mon dieu. Fais-moi ton test. Je te préviens, si tu fais un échec critique. Si tu fais un échec critique, ton poing se disloque par énergie et traverse le navire et le fait couler. Je te préviens tout de suite. Oh non, fais-le frapper Shin, mais en l'air, en X-ray. En plus, c'est ultime, c'est la seconde ulti de Gookie, tu sais, de. Non, mais c'est une sorte soit de. Soit il me tue que moi, soit il tue là. Tout le monde sur le bateau. Allez, on y va. On y va. Est-ce que vous voulez que je fasse un échec critique? Mais tu vas pas faire un échec critique, ça va. Bon, allez, je fais pas un échec critique. C'est un échec. On y croit. Ça, il fait que des succès critiques. 38, c'est réussi. Facile. Voilà. Facile, tu rigoles, facile. Facile, c'est limite. Enfin, 38. Par rapport à la difficulté de l'action, alors qu'il y a un embrun qui te balaye le visage, alors qu'il y a aussi le mouvement du navire, la difficulté, la tension présente. Il est à 65, même si tu lui mets un moins 25, ça passe. Mais moins 20, c'est quand même, enfin, c'est limite. Et tu réussis, tu te sens porté par quelque chose. Tu te sens porté, tu vois que tu fais un mouvement supplémentaire par rapport à ce qui aurait été prévu par rapport à ta maîtrise. Exactement, mais plus encore. Tu t'appuies sur le sol, tu te projettes en l'air, tu chopes Shin corps à corps et tu tombes dans la voilure. Et à ce moment-là, tu tendrement. Ah oui, là parce que là honnêtement, derrière les voiles, tu vois les ombres comme ça. Tu as vu le film Pearl Harbor? Tu tombes dans la voilure avec Shin dans les bras et la voilure s'enroule légèrement autour de vous et il y a de l'autre côté ce que vous voyez. Retirez s'il vous plaît vos casques, Shin et Grenlek. De l'autre côté, parce qu'ils sont trop occupés à faire l'amour passionnément dans la voile là, pour l'instant. Justement, en parlant de faire l'amour, vous voyez tous les deux qu'il y a Sanguinus qui lui se tient sur le côté, qui a le bras tendu et qui a le bras tendu en direction de Grenlek et il a apparemment utilisé son pouvoir pour aider Grenlek, mais le pouvoir qu'il a employé pour aider Grenlek, c'est qu'il a, et là tu le vois bien Bob, il a puisé dans le sang de Grenlek pour l'aider à faire le dernier mètre afin de saisir Shin. Et le sang qu'il a utilisé, donc, l'a porté et tache toute la voilure. Donc ils se prennent dans les bras l'un de l'autre, dans la voilure, et c'est à ce moment-là où la voilure s'entache de sang et que Sanguinus se tient sur le côté. C'est déjà cette période Attends, il lui a donné... Ah non, c'est ça, il lui a donné la gonorrhée extrême en fait. Ça lui a servi de propulsion. Parfait. Parfait. Nickel. Parfait. Donc, oh putain, c'est dégueulasse. Vous pouvez remettre les casques. Grenlek. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'es plus une petite fille, mais. Il y a eu des vannes sexuelles. On t'expliquera plus tard, on peut pas. C'est du... ah, on ben peut voilà. pas t'expliquer maintenant, on dira vous plus tard. Vous avez plus de soupçons par rapport aux demi-élémentaires d'eau. J'exige que cette blague soit laissée dans le montage. Ah, ça sent la vanne. La vanne café des sports. La bonne vanne qui sent le pastis. J'aime bien. Ah non, mais cette vanne a sa propre.
À ce moment-là, le navire qui vous venait par le côté vous rentre dedans. Vous êtes dans la voilure. La voilure qui est... Quand ça nous rentre dedans, ça fait... Wow. Métaphore. Métaphore. Avec la figure de pro comme ça. Si je dis pas de bêtises, j'avais réussi un test pour éviter qu'il nous rentre de plein fouet dedans et justement pour diminuer l'impact. Et en plus, Théo a difficilement, mais a bougé un petit peu la barre quand même. Je pense qu'on a dévié un peu. Il a rien bougé du tout, il a loupé. Il a rien bougé du tout. Il a loupé son test. Non, c'était un échec. C'était un échec. Raté complètement. Bon. J'ai pas la mauvaise, c'est la mauvaise barre en fait. Oh mon dieu, on perd de l'huile. Ça suffit. Donc, excusez-moi, c'est pas la bonne. C'est le diesel qui fuit là. On perd de l'huile. On regarde le bateau, t'as le vieux logo Total. Oui, sur ce que je pensais en plus. Non. Oh salaud. C'est Erika. Ma Bretagne natale. On n'a pas volé le bon bateau, quoi. On n'a pas volé le beau bateau. Il y a surtout, en effet, au moment où l'impact se produit, un immense craquement, sachant que, au contact, donc, comme l'a souligné Grand Lake, il a été réduit suite à quelques rares succès précédents qui vous ont évité d'être complètement éperonné et d'avoir un navire ouvert en deux, tel Moïse ouvra la mer morte. Et pendant ce temps-là, en face, il y a la personne avec laquelle Bob avait des comptes à régler et que vous aviez retrouvé donc déjà dans la saison 2, que tu peux reconnaître en effet Bob qui a... Je ne sais pas si tu te souviens, est-ce que tu peux éventuellement... Si. Je me souviens de cet enfoiré. Cet enfoiré nous avait poursuivi dans une caverne avec ses hommes de mercenaires parce que notre tête était mise à prix. Il avait une armée d'arbalétriers qui était tellement balèze qu'il n'avait pas besoin de recharger entre les tours, et quand on les regardait en fait. Et il avait surtout une hache avec un œil rouge dessus, extrêmement puissant, une grosse gemme qui absorbait toutes les capacités magiques. Aussi, c'était un très gros duelliste, il était extrêmement fort, et donc on n'avait absolument aucun On a fait ce qu'on sait faire le mieux, c'est-à-dire fuir. Exactement, mais parce qu'en plus, on l'affrontait dans un tunnel. Oui, mais on n'avait pas le choix parce qu'on l'affrontait dans un tunnel. Or, du coup, il nous était monté un par un, c'était une certitude. Et on pouvait même pas le ralentir. Donc là, pour le coup, la donne a changé, ça va se passer autrement. Par contre, j'ai une réclamation à faire, MJ. Si le bateau a vraiment éprôné le nôtre, il se trouve pas là, il se trouve ici. Mmh. Enfin, il doit encore avancer de ça. C'est-à-dire, faut que les deux bateaux s'entrechoquent, pas juste la petite barre avant, là. Non, tout à fait. Mais je demandais donc du coup si vous vous souvenez bien de la personne en face qui, dans l'épisode précédent, a hurlé à travers l'embrun et la pluie qui commençait à battre sur la mer, donc, et a hurlé « Vous avez tué mon fils !» Tout à fait, et il est très vénère. Et ce mec vient de nous prendre notre virginité navale. Donc si tu voulais bien faire avancer le bateau un peu plus... Quel a été l'impact de l'action de Shin, qui a été de one-shot un gars en face quand il est tombé, il l'a tiré, il a one-shoté un gars où justement... C'était le mec à la barre. C'était le timonier, celui qui tenait la barre. Mais du coup, le bateau est parti en ligne droite. D'accord, et du coup, ils peuvent pas tourner, ils peuvent pas manipuler le bateau, là, faire quoi que ce soit tant qu'il bouge pas. Par contre, et néanmoins... Là. Quelque part, ça fait de moi le responsable de l'épronage. D'accord. Non, parce qu'ils avaient l'intention de nous épronner, oui, ça change rien. Par contre, maintenant, ce qui est important, c'est qu'ils peuvent plus reculer, fuir, aller ailleurs ou refaire la même manœuvre en nous paralysant, nous, sur la mer, avec leur maniabilité supérieure et tout le reste. C'est voilà, ça. C'est ça. Ouais, c'est la technique depuis le début. Messieurs, vous êtes presque épronné, j'ai bien le presque, hein. Je rebondis sur ce que disait Grand Lake. Grand Lake qui se sent légèrement affaibli. Il y a quelque chose que tu remarques et qu'ensuite Shin remarque, c'est la voilure dans laquelle vous êtes enroulés l'un et l'autre, sans tache de sang, jusqu'à ce que tu remarques, Grand Lake, qu'il s'agit de ton propre sang en fait qui sort par les pores de ta peau. Et quand tu te retournes pour voir la raison qui justifie cela, tu vois Sanguinus en fait qui a utilisé son pouvoir apparemment sur toi.
Toi qui te demandais il y a quelques secondes la raison pour laquelle tu avais franchi le dernier mètre in extremis, c'est ton sang qui a été utilisé afin de pouvoir t'aider à compléter cette action particulièrement héroïque pour empêcher Shin de finir en crêpe. Mais comment ça se fait que tu aies du sang, si ça c'est pour ça que, et c'est pour à moins qu'il ait pété du sang à toute vitesse, enfin comment ça se fait qu'il voilà, écoute, ça marche le blood bending. Mais là tu as Sanguinus qui va te regarder, qui va te dire il y a de l'oxygène dans le sang. T'as Sanguinus qui te regarde, Grunleck. C'est de l'hydrogène. T'as Sanguinus qui te regarde, Grunleck, et te fait t'en fais pas, ça fait toujours mal la première fois. Tu vois, c'est non, tout va bien. Non, mais attends, le mec il laisse. voilà. Dans les voilures blanches en plus, non, mais bien. Faudrait des serviettes pour très absorber. Bien. Parfait. Je pense que. Est-ce que tu. Est-ce qu'on, peut, est-ce qu'on pourra marquer Vania sur les montage, toiles le sponsor. Là, là, là. Oh là là. C'est pas Vania, c'est Moria, tu sais, pour les nains. Moria Ultra. Comment on a fini par arriver là? Quand regardez quand ce liquide. Quand je travaille à la mine et que ça m'arrive, j'utilise Moria. Bon. Une mine. Très bien. Trêve de fuite anale. De du coup, est-ce que je peux agir? Du coup, alors, que je suis affaibli, j'ai perdu des points de vie, quelque chose? Alors, tu as perdu un point de vie. Un point de vie, très bien. Tu as perdu un point pour de vie. Pour sauver Chine, ça valait le coup. Ça va. Bah, tu as fait un bon cher succès néanmoins. Hein. Tu as fait un succès à moins 20, donc je pouvais décemment pas, même si je le voulais au fond de moi, je pouvais décemment pas te retirer 8 points de vie. Mais bon, ça arrivera. Mais on remarque que c'est classique, hein. Crane, il fait des réussites critiques, bon bah il réussit tout juste. Il fait des vraies réussites, bon bah il réussit, mais il perd des points de vie, oui, c'est voilà. Oh. C'est magique. Tu as sauvé la vie de Shin. Voilà. Et en plus, il a sauvé un pote, hein, tu sais, donc ça justifie le fait qu'il souffre malgré ses réussites. Hein. Je pense que ça mérite un avantage pour Shin, hein, je sais pas ce que vous en pensez, mais. Alors non. Oui, d'avoir été sauvé, ensuite, ouais, moi je veux bien. Est-ce que le navire est à l'intérieur du vôtre, et ceci n'est pas une métaphore, dites-moi ce que vous faites. J'aimerais foncer en fait et sauter sur le bateau ennemi. Ça me fait s'il te plaît, parce que vous êtes secoué par les vagues, vous êtes remué, remuant. Vous me faites tous, pour ceux qui effectuent une grande distance, comme c'est le cas avec Théo, fais-moi un test de physique, s'il te plaît. J'en rigole d'avance. Je peux me décrocher de Théo avant ça. Non, ça passe, c'est bon, n'aie pas peur. Théo, tu te déplaces, tu cours à travers donc le navire qui est brisé et tu te retrouves donc rapidement à ce niveau-là, et au moment où tu sautes par-dessus l'espace vide qui donne sur l'étendue aquatique, tu vois au moment où tu arrives de l'autre côté, alors que tu atterris pieds joints, que tu te relèves lentement et que l'embrun fouette ton visage, tu vois une autre silhouette se dessiner en face de toi, ton ennemi, votre ennemi, un grand gaillard roux avec sa hache, le visage barré par la colère, les yeux verts. Faux. Il fait craquer ses épaules et se redresse alors que le navire chavire de plus belle. Et tang. Et de ton côté, Bob, tu étais accroché donc à Théo et tu as vu Théo courir de plus belle et prendre de l'élan. Qu'est-ce que tu as fait ce moment-là? Donc tu peux pas rester accroché à lui à moins de devoir me faire un test de physique. Je l'ai lâché au bout de 3-4 mètres. Parce d'accord. qu'il a dû partir avec moi en fait, et je dis oh. Ta robe qui est accrochée à lui comme ça. Ça commence à faire plusieurs personnes qui trimballent, hein, n'empêche. Hein. Par contre, un Bob portatif. En même temps, avec le quotient de force, de Théo, honnêtement, il pourrait me trimballer sans s'en rendre compte. Dire, ouais. Je suis même pas un malus. Si. S'il veut courir. Enfin, si. Mais c'est façon de parler, c'est ça que j'entends. C'est pour ça. Très bien. Donc Bob, qu'est-ce que tu fais? Théo a fait son action. Bob, sachant que ça aurait été Grunleck à qui j'aurais dû dire au départ, mais vous agissiez puisque vous avez décidé d'agir et que j'ai pas de personnalité, donc à toi Bob, qu'est-ce que tu fais? Alors,
C'est très gentil. Du coup, je me relève, je me débroussaille 5 secondes et j'essaie d'assécher la situation. J'aimerais savoir si je peux les voir d'ici, parce qu'on peut, apparemment, vu qu'ils nous ont éperonnés et que la vue est belle. Le souci c'est que tu vois davantage l'arrière que l'avant. Parce que l'avant, en fait, est soumis à la voilure un peu rebelle qui a été détachée à cause du fracas. Il y a une sorte d'amalgame de voilure, d'embrun, de mouvement. Les deux avant, en fait, subissent les vagues et se relèvent et se réduisent à nouveau. Du coup, tu as du mal à avoir une perception vraiment précise de l'avant. Néanmoins, à l'arrière, tu vois qu'il y a des gens qui se réunissent. Ça ressemble à une raison à la con, mais pourquoi pas, est-ce que je peux voir du coup les gens qui sont à l'arrière et qui se réunissent sans que ça me claque un coup de tour, c'est juste pour regarder rapidement la situation et dissiper le fog of war. Alors absolument, tu vois, hop, ici je te montre, tu as une perception par contre beaucoup plus précise de l'arrière. Est-ce que tu veux faire un truc en particulier à part analyser la scène, Bob? J'aimerais attendre la fin du tour des autres, si ça se passe simultanément. Très bien. Grunlake, tu es avec Shin dans la voilure ensanglantée, dans les bras l'un de l'autre. Qu'est-ce que tu vous faites? Je vois probablement Théo passer comme une fusée à côté. J'essaye d'analyser la situation et mon premier réflexe, ça va être d'épauler Théo et d'essayer de faire un mur pour permettre à Shin et à Bob d'être tranquilles derrière et d'allumer. Je veux bien que vous veniez parce qu'en fait, je me rends compte qu'ils sont vachement nombreux parce qu'encore une fois, j'ai agi avant de réfléchir. En fait, je vais rejoindre Théo. Tu sais, tu reviens sur ce que t'as dit. Je ne battrai que sur mon bateau. Mais à moi. Attends. Mais ta thérapie avance. Tu l'as reconnue. Moi, je suis très heureux. Tu vois, c'est. J'attends les ordres de gars. Il y a le charisme. Ouais, le mec qui arrive tout seul devant la horde de gars. C'est quoi? Je rejoins Théo. Tu vas, s'il te plaît, Grunlake, me faire un test de physique comme je l'ai demandé à Théo. D'accord. Alors, la réussite, tu te retrouves sans problème de l'autre côté. L'échec, c'est difficile de te retrouver de l'autre côté parce que le navire bouge à cause des vagues et des mouvements. Et un échec critique, tu sautes, mais entre les deux navires. Attention, 78, donc c'est un échec. Donc ce sera très bien. Absolument, tu descends de la voilure ensanglantée, tu te retrouves en bas et il y a les mouvements, trop de mouvements, tu t'agrippes à ce que tu peux, tu te retrouves du coup bloqué dans ton mouvement. Est-ce que le sang de Grunlake, ça fait comme le Saint-Suaire sur la voilure? Avec son visage. Très bien. Avec plus de beubarde. C'est ça. Ouais. Avec plus de barbe. Avec une barbe et une mohawk. C'est ça. Comment c'est possible? Enfin bon. Mais déjà, je dis à Grunlake, merci, je te remercie. La prochaine fois, ce sera moi qui te sauvera. Je te le promets. Tu peux toujours compter sur moi. Et là, pour le coup, on va m'engueuler, mais j'aimerais remonter sur la vigie, en fait. Reprendre de la hauteur. Tu retombes pas, hein. On est les aventuriers. Ça suffit, hein. On ne tire aucun enseignement de leurs erreurs. C'est pour ça que tu t'excuses. C'est pour ça que tu t'es excusé juste avant, petit salopio. C'est ça. Chine. Mais j'aimerais avec test comme Bob, de physique. J'aimerais analyser surtout l'environnement, c'est-à-dire combien il y a de personnes, tout ça, et surtout l'état du bateau, le nôtre et le leur. Savoir quel est le plus endommagé. Pour le coup, c'est le vôtre. Je te demande pas de faire de test pour ça, c'est évident. Parce que ils flotteront encore, ils sont accrochés. Oui. Donc faut piquer leur bateau. Donc ils se battent, il faut les éliminer. Cher Chine. Oui. Prends un peu de hauteur, je veux pas remonter tout en haut de la vigie. Par contre, il est à moins 10, mais est-ce qu'il a pas un bonus par rapport à escalade des arbres? 18. Ou quelque chose? Non. 18, ça passe. Tu te retrouves à n'importe quelle hauteur du... Non, ça veut dire... 3 mètres au-dessus du bateau. Dans l'air comme ça, il vole. Il glitch. Il y a IC qui t'aide à faire les derniers mètres et tu te retrouves donc en hauteur et tu arrives à analyser la situation. Tu vois qu'il y a quand même pas mal de monde sur le navire en face. C'est ça. Plus que bah, j'époule le boss et il y a personne qui a suivi, quoi. Je suis en train de loquer, moi, comme Mike Rea. It's high noon. Verrouillage de toutes les cibles. Mon cher Shin, sauf que tu remarques, je vais demander aux autres de retirer leur casque, s'il vous plaît. Shin,
Tu vois dans les fonds marins qu'il y a des silhouettes qui sont à peu près humanoïdes, si tant est qu'elles ne mesuraient pas une bonne dizaine de mètres d'envergure, et elles sont en train de nager dans les fonds marins entre les deux navires, en dessous, tels des prédateurs. Qu'est-ce que tu fais ? Sachant que tu avais remarqué une silhouette. Une, peut-être deux, peut-être plus. Étant donné que c'est seulement entre deux éclats de lumière qui est capturé par la surface de l'eau qui te permet de visualiser ça, sachant que rapidement, en s'enfonçant dans les fonds marins, il fait noir, donc rapidement tu ne perçois plus grand-chose. Tu vois juste ces silhouettes et que tu avais remarqué. Vraiment subrepticement dans ta chute et qui t'ont rappelé un souvenir frappant. Il y a deux saisons de cela. Rappelle-toi, Chine. Tu es censé prendre un air intelligent en regardant le ciel. C'est oui, il y a deux saisons, effectivement. J'ai pas regardé, je regardais autre chose. Ça te rappelle. J'ai pas acheté les DVD. Par certains aspects, au moment où tu as chuté, ça te rappelle la tronche un peu de. L'élémentaire d'eau qu'on avait croisé dans une caverne. Très bien vu. Très très bien vu. Donc, en train de lire la fiche Wikipédia. J'avais une question. Vas-y, pose la question. Ah bah de toute façon, là, je vais dire à mes camarades, vu qu'ils ont... Ils ont remis leur casque. Ah d'accord. Mais, ah, c'était une question que sans Bob casque. Pourrait m'entendre. Ouais, mais on savoir si je pouvais rentrer en contact. Très difficilement. Justement. Vous passez votre temps à gueuler, qu'on peut vous faire entendre, à cause du mouvement, du fracas, du bruit. Ouais. Et des actions. Donc, qu'est-ce que tu gueules? Bob, j'ai remarqué des... Tu m'entends déjà? Ouh, je suis là-haut. Et je suis pas tombé. Oui, je vois des silhouettes, des formes, des créatures qui sont sous l'eau. Et je pense que j'ai reconnu un visage assez familier. Rappelle-toi de cet élémentaire que nous avons croisé dans la saison 1 d'aventure, qui est disponible sur le bazar. Les élémentaires qu'on a croisés dans la saison 1 d'aventure disponibles sur le bazar pour seulement l'abonnement d'1,78€ par mois seulement. Mais tout disponible haut. Chez les éditions Glémat. Non, tu c'est pas vrai, c'est gratuit. Tu veux dire les élémentaires d'eau croisés dans la caverne des Verriers, l'édition collector numéro 78. Exactement, j'en suis pas sûr. Exactement, mais il me semble que j'arrive à identifier à peu près sa silhouette. Et il y en a plusieurs d'ailleurs. Est-ce que tu peux rentrer en contact avec ces créatures? Enfin, je ne sais pas si tu pourrais, mais... Le premier fascicule, l'élémentaire d'eau et le puits pour seulement 4,99€ seulement. Je suis désolé, mais là, quand même... Ok, c'est arcane, mais il vient de monter en haut du mât. Il y a les deux bateaux qui s'entrechoquent, il y a les vagues, et vous arrivez à avoir une conversation avec 200 mots à peu près, sans aucun problème. Alors, si je peux être honnête, mon cher Grunleck, j'étais tellement en train occupé à dire de la merde pour l'épisode que j'ai pas du tout entendu ce qu'il m'a voilà, dit. Voilà, c'est réaliste. Du coup, j'ai juste enregistré le fait qu'il y a des élémentaires d'eau, mais c'est réaliste. C'est comme un appel, c'est juste avec le regard, ils ont fait. Comme ça, et puis... Ils se connaissent tellement bien maintenant. Mais oui, il a allumé Skype, il a fait oui. Vous avez tous agi. Non, Bob, attendez. Objection, j'ai demandé d'attendre la fin du tour des autres avant de pouvoir claquer mon action. Ton objection est validée par l'administration du MJ. Merci. C'est bon ça. J'ai rempli des papiers et tout. Très bien. Bon, la situation étant ce qu'elle est, Théo qui est parti à la guerre, Grunleck qui s'est cassé la gueule de la voilure, parce que c'est pas de sa faute, l'autre glandu qui est remonté après que l'autre s'est fait chier à sauver pour me hurler des trucs, des borgborigmes du bout du matelot, et que je vois quand même qu'ils sont quand même assez nombreux, et j'ai pensé, c'est pas vraiment du point strat parce que j'y réfléchis sur le coup mais je l'ai pas dit, le problème c'est que je peux pas mettre le feu à ce bateau, pour la bonne simple raison que si j'y mets le feu, eh ben on n'aura plus aucun moyen de survivre ou de fuir, parce qu'on est au milieu de pleine mer là je rappelle, hein, voilà. Y a pas de terre à gauche, à droite, en haut, c'est ça que j'avais demandé, ouais, que le bateau était baisé. Le plus abîmé, donc voilà. Et parce que je suis dessus. Ça c'est notre situation. Ça, c'est notre situation. Donc, le rappeler, je pense pas que ça compte comme un point strat, puisque de toute façon, il n'y a pas de stratégie à proprement parler. Ce que je vais faire, c'est courir dans cette direction, mon cher Maillard. Oui. Et pendant cette course, donc tu décideras de la distance, pendant cette course, je vais faire bon. Eh ben écoute, passe à l'action, aventurier à l'attaque. Et je vais claquer un point d'aventure pour me transformer comme un bioman. Avec la cinématique qui va avec, hein. Transformation. Et est-ce que tu vas pas tout cramer la remarque de Shin au sujet des créatures marines qui approchent? Je l'ai enregistré, mais il n'y a rien que je puisse faire. Il faut d'abord se débarrasser des enfoirés. Et pour ça, Maillard, je vais utiliser le pouvoir du kung-fu en claquant ma posture élémentaire avec mon dé, avec un dé d'aventure, si tu me l'autorises. Oui. En déplacement. Absolument. Oui, non, ça peut-être. Ça me fait deux dés d'aventure pour moi. Voilà. Et je vais mettre tous mes 6 points en armure.
posture bioman. Tu commences à courir à travers le navire. Il y a tes dents qui commencent à s'allonger, une sorte d'excroissance au niveau de ton front. Et tu cours de plus en plus belle. Je vais te demander néanmoins un test de physique pour traverser cet espace-là. Même si ta posture élémentaire te permet de booster ton physique. On est à 40. Est-ce que, je sais que c'est physique, physique c'est à 30, sauf que, soyons honnêtes, à 30, ça voudrait dire que j'ai la coordination œil-main d'un vieil homme de 70 ans. Ce qui est promptement peu réaliste. N'importe qui peut tenir debout. Est-ce que j'ai le droit à un bonus pour courir ou marcher? Alors, si tu me demandes de faire un jet pour marcher à 30, c'est quand même un peu pété, tu vois. Ça veut dire que j'ai un peu une jambe cassée en arrière. Pour te paraphraser, Bob, tu as dit que tu allais courir vers là-bas. Donc, tu te retrouves à devoir faire un test d'équilibre. Donc, fais-moi un test. Tu gagnes éventuellement 10% grâce à ta posture élémentaire, mais pas plus. Donc, je demande un test notamment parce qu'il y a tous ces mouvements. Donc du navire. Donc, fais-moi comme il a un dit test. Tout à l'heure, l'échec n'est pas que tu n'arrives pas à courir, c'est juste que tu mettras plus de temps. Absolument. Par contre, si tu fais un échec critique, tu te retrouves par tube. Ah oui, bah écoute, c'est la vie. Hein. Je le fais et je fais 40 pile. Oh, joli. Parfait. C'est mon score. C'est exactement c'est ça. Tu te mets à courir en te transformant en posture élémentaire. Et t'as les cornes démoniaques qui poussent sur le bord de mes genoux et ça fait les roulettes. C'est comme sur les trucs, les petites roulettes alors, pour enfants sur les vélos pour pas que je tombe comme ça. Ah putain, vas-y. Tu traverses le navire donc, en te transformant en posture élémentaire, tu te retrouves rapidement en pleine course malgré les mouvements de vagues de l'autre côté. Quand tu vois à côté du navire, il y a des silhouettes menaçantes qui se dessinent entre les deux navires et qui arrivent vers la surface. Tu entends une voix sourde provenir des fonds marins. Une voix inhumaine. Ça arrive. C'est très proche.